Les trois groupes ont finalement atteint l'arche où un combat décisif est sur le point d'avoir lieu. Je comprends. Mais vous me demandez de verser notre sang. Pas du tout. C'est du pareil au même. Ah, il a raison. Ah non? Nous demandons de verser votre sang. L'Empire désire accroître la puissance de sa technologie magitech. C'est pourquoi il veut s'emparer de la chimère que vous avez découverte. Si nous la laissons faire, l'histoire se répétera. Le monde sera détruit. La guerre des magies. Ce conflit légendaire qui ravageait le monde entier. Une telle chose pourrait-elle se reproduire? J'aurais cru que l'homme était une créature plus sage et avisée. Edgar? Sabine, tu es sain et sauf. Qui sont tes compagnons? Je suis Sian, un guerrier du royaume de Doma. Wow! Go! L'Empire a éliminé tous les habitants de Doma, mais les femmes, même les femmes et les enfants. Kefka les a tous empoisonnés. C'est monstrueux! Nous vous l'avions dit. Mais Doma était puni pour avoir collaboré avec la résistance. Si nous restons neutres, nous n'avons rien à craindre de l'Empire. Ne soyez pas si sûr. Luck, l'Empire s'apprête à attaquer une arche. Comment? Luck, comment as-tu obtenu cette information? Céleste était un des gênés. Ah, c'est bien elle, je la reconnais. Hors de mon chemin, Sir Gao. Le célèbre général Céleste, qui est responsable de la destruction de Maranda. Préparez-vous à payer pour vos crimes, meurtrière infâme. Non, attends. Céleste veut se joindre à la résistance, elle a déserté l'Empire. Pourtant, j'ai promis de la protéger. Je n'abandonnerai jamais quelqu'un que j'ai fait une à qui j'ai fait cette promesse. Ah, Locke, tu t'en remettras donc jamais, hein? Moi aussi, j'étais un soldat de l'Empire. Comment? L'Empire est notre ennemi, mais les citoyens ne sont pas tous des monstres. Je vais m'en remettre à mon frère. Monsieur le maire, l'Empire nous attaque! Récupère à tout prix cette chimère, il me la faut! À vos ordres! Mais les civils! Éliminez tous, je m'en moque! Narche n'est pas une ville neutre. Imbécile! Répétez après moi. La compassion, c'est pour les poltrons. Éliminez tous ceux qui vous font obstacle en avant! Eh bien, le sort en est jeté. Préparez-vous à combattre. Et cherchez la chimère. Nous l'avons déplacé au-delà de la vallée. C'est à cet endroit que nous prendrons position. Locke a un passé compliqué. N'est-on pas amoureuse de lui en pensant par méprise qu'il t'a protégé? Je suis un soldat, pas une sotte. J'ai pas l'habitude de m'amourocher. Quelle charmante créature. Terra, qui aurait cru que nous reverrions dans telles circonstances? Tu peux aussi utiliser la magie, n'est-ce pas? Mais tu n'es pas comme moi. Je suis une guerrière magitech. Quand j'étais jeune, l'Empire m'a soufflé la magie dans mon corps de manière artificielle. Saurais-tu ce que c'est que l'amour? Tu te moques de moi? N'oubliez pas, je ne fais toujours pas confiance. Très bien. Tu verras par toi-même de quel côté je suis. Ah, c'est bien. Allez, voilà, on sauvegarde ici. Hein. D'abord, on s'en remet la vie. Êtes-vous prêt? Oui.
Protéger la chimère contre Kefka. Voulez-vous plus de détails? Oui. Vous combattez à l'aide de trois équipes différentes. Passez d'une équipe à l'autre en appuyant sur la touche L2. Éliminez Kefka avant que ses troupes n'atteignent Bannon. Tout sera perdu. Après avoir formé trois équipes sur l'écran de formation, choisissez tout valider pour commencer le combat. Et pour la première fois dans l'histoire de Final Fantasy, nous pouvons choisir l'équipe de nos persos. Enfin, donc on va faire une équipe avec Terra. On va la mettre avec Céleste et Locke. Et une autre équipe avec Edgar, avec Sabine et Sienne. Et puis le Gao, et ben tant pis, il va être tout seul lui. Il va être, il va nous soigner, c'est tout ce qu'il va faire. Hop, guidé. Et voilà. Oh, Céleste, la traîtresse. Excellent, je ferai d'une pierre deux coups. Allez, écrasez ces insectes! Tac, le 2. On va positionner lui là. Bon, Gao, avant, on va lui faire quand même un ou deux combats. Tac, allez, j'en étais où déjà? Ragaro, il me semble. Bien. Hop. Merde, là je suis cerné, là. Là, même excuriax, je sais même pas ce que j'ai fait. Vas-y. On tente. Ouais, non, j'avais pas fait celui-là. Je vais perdre. Je vais perdre. Ça va jouer. C'est con, il va perdre alors qu'il reste un perso. Ah oh, putain, bien joué. Hop. Allez, vas-y. Soigne-nous, hein. T'es gentil, Gao, mais tu vas pas faire long feu avec comme ça. Ouais, c'était juste pour tester, hein. Là, je peux attaquer. Je crois que j'ai laissé terrain en mode défense, c'est pas grave. De toute façon, ils vont lancer que des magies les deux là pour l'instant. Bien. Attends, on va faire comme ça. Alors, on va remettre Céleste en mode défense. Voilà, très bien. Là, je vais avancer avec Edgar. Tac, là, je suis du métier. Ah putain, je me suis trompé encore. Ouais, invalide. Résonateur pour y retourner, là, parce qu'il me casse les couilles, là. Tac, là, comme ça. Alors, chute du météore, et là, tac, tac, hop, comme ça. Bien.
Hop, soigne-nous. Bien. Tac, celui-là. Résonateur, tac. Là, chute du météore. Merde. Tac, là. Plus bas. Coup de toxique là. C'est bon. Tac. Elle, je vais mettre ça là-bas. Tac. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Parce qu'elle va bloquer sa magie, voilà. Con. C'est pas du tout ce que je voulais. Mais c'est ce que j'ai appuyé. Est-ce que c'est d'appuyer trop vite? Ah, dégage. Gare maintenant, hop. Machine, résonateur, allez, juste dessus, chute du météore. Tac, là, plus bas. Je peux soulever un trait, je peux soulever un soldat, hein. Pas de raison. Hein. C'est mort. Oh, il en reste plus qu'un. Dégage. Tac, un coup de soin. Bien. Allez, Terra maintenant. Allez. Ah merde, cerné, évidemment. Évidemment. Tac. Pas celui-là. Là. Tac. Là. Tac. Bien. Cage. Ah, tant pis, hein, on va y aller comme ça. Mais on va pas y arriver. Merde, c'est mis à le bras. Oh, vite, vite. Soigne, vite, 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 vite. Vite. Bien. Ben, c'est mieux. Avec ces deux boucles là, elle. Bon, j'ai pas le choix de les attaquer un par un vu qu'il y a le miroir, ce con. Qu'est-ce que je prends là? Ah, c'est bon. Tac, juste lock. Il n'y aura pas le temps. Merde, putain. Foiré, fais chier. Tac, je remets en... Là, tac.
Et ça laisse en défense et moi je vais appuyer ce que d'attaquer physiquement. Hop. Mais putain! Je suis trop con ou quoi? Bah oui, non mais... Bien d'avoir bloqué ta magie. Oh, mais c'est pas vrai d'être si naze, hein. Putain. Du coup, ça marche pas ce que je veux faire là, ça me saoule. Allez. Du coup, je suis obligé d'attaquer avec Céleste. Oh là là, tu me saoules. Vas-y, mais continue, je t'en prie, voyons. Je fais rien comme dégâts. Allez, puis ça dure longtemps le chargement là, c'est horrible. Commence à me saouler. Ah, 136, vas-y, mais... Chut, hein. Putain, si en plus vous le loupez, on va jamais y arriver, hein, les gars. Hein. J'en chie plus sur une armure Magitech que j'en chie sur Kefka, je trouve. Oh bah donc. Terra pour enseigner, hein ben. Ah bah oui. Bah oui, ça faisait tellement longtemps. Ce que je te fais ça moi. Tu vois. Bien. Dure moins longtemps avec eux. Yep. Je te soulève moi. Boum. Hop, ça dégage. Bien. Il en reste plus qu'un. Soigner. Il y a Cloque qui est reculé, bon ça va.
Ok, bah vas-y, fais-le reculer, y a pas de problème. Hein. Si j'avance et que tu recules, comment veux-tu que je... N'est-ce pas, chevalier de l'enfer? Ouais, chevalier de l'enfer, il moins choque une armée magique, faut pas déconner, quoi. C'est bon. On va y aller, sauvegarde rapide, parce que si on perd contre Kefka, on perd tout. J'ai pas envie de te recommencer. Position avec Terra, elle, je mets juste la lame égide. On va l'attaquer au niveau physique, parce que sinon... On va jamais y arriver. Allez, on y va comme ça. Merde. Évidemment. Évidemment, fallait qu'il lance sa magie avant que l'autre elle fasse sa charge de merde là. Voilà, je préfère. Bon, tant pis pour Terra, elle fait un petit ou dodo. Hein. Sinon, si je perds, je remettrai le boom booster sur Terra. Sur Céleste. Putain! Merde! Fait exprès, hein! Le temps que ça charge, le temps que ça charge, et ben. Elle meurt. Les autres meurent, quoi. Bon, bah, vas-y, hein, position. De toute façon, on a perdu. Allez! Ouais, je mettrai le booster sur Céleste, hein, y a pas le choix. Ouais, c'est bien. T'as gagné. T'as gagné, c'est bien. Voilà, ah, bien. Ah, game over. Bon. Compris. Pas la boucle magique, hein, ça sert plus à rien. Et la boucle magique, je la remets sur personne. Hein. Je... C'est juste une boucle magique plus. Tac, ça. Donc, sandales d'Hermès. Carapace. Moi je lui mets la boucle magique pour elle là. Et là je lui mets la... Ça là. Je lui mets une carapace et PV sont bas, hop. Ouais. Allez. Deuxième chance. La mégide, la position, j'aurais dû mettre position avant, c'est pas grave. Au moins, elle fait un tour de moins. La mégide. Là, j'attaque. Et là, je mets en accéléré. Bien. Comment? Comment? Comment, comment, comment? Hop, là, mégide, c'est... Position, plus... On va faire comme ça, sinon jamais y arriver. Ah, 101, mais vas-y. Tac, j'attaque. J'attaque. Et hop, c'est reparti. Voilà, on va faire. C'est chiant qu'elle peut bloquer tes attaques magiques, hein. Par contre, Terra peut pas envoyer d'attaque magique, sinon vous avez vu que...
Céleste bloque l'attaque de Terra. Mettre un coup de soin. Terra. Tac. Hop, encore une magie. Allez, c'est reparti. Bien. Alors, l'avantage de l'automatique, c'est au moins si je me replante pas dans les commandes. Ça m'énerve un petit peu. Là, je veux la lamégide, mais quand je l'avais pas, ben elle est activée. Du coup, ça me fait un tour dans le vent. Là, je le veux parce qu'il envoie des magies de merde. Aïe! Je ne pourrais de rien pour attendre. Voilà, casse-toi. Putain. Et un anneau de paix.